du jamais vu depuis la guerre du Golfe en 1991. L'envolée du cours du baril hier, deux jours après l'attaque de deux installations pétrolières en Arabie Saoudite, a été d'une ampleur historique. L'actualité à l'étranger avec cette attaque de deux installations pétrolières en Arabie Saoudite. Attaque revendiquée par les rebelles houthis du Yémen. Les États-Unis accusent l'Iran d'en être responsable. L'attaque de centres pétroliers en Arabie Saoudite a fait flamber le cours du pétrole. Va-t-on vers un nouveau choc pétrolier ? À Riyad, la bourse est déjà impactée. Les prix à la pompe vont augmenter dans les prochains jours. On s'attend à une augmentation de 4 à 5 centimes par litre. L'appréhension monte chez les automobilistes. Je m'inquiète beaucoup parce que moi j'utilise beaucoup la voiture. Et je fais le plein tous les deux semaines. De toute façon, on subit à chaque fois. Quoi qu'on fasse sur le politique, on subit et c'est fatigant. Quel impact sur l'économie française et mondiale? Que va faire Washington alors que Donald Trump s'est dit prêt à riposter? On en parle ce soir avec deux experts. Anthony Bélanger, spécialiste des questions internationales, et Mathieu Ozano, journaliste spécialiste des questions économiques et écologiques. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Anthony Bélanger de France Inter et Mathieu Ozano du Shift Project et auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole, livre référence sur le sujet aux éditions La Découverte. Alors pour l'instant, pas de choc et une flambée très limitée puisque le baril de brut a reperdu 6% aujourd'hui à Londres comme à New York. On reste aux alentours de $60. Pas de quoi a priori nécessiter ou justifier la hausse de 4 ou 5 centimes par litre annoncée sans doute un peu vite hier par l'Union des industries pétrolières. On va y revenir, mais l'histoire n'est pas finie parce que l'attaque de samedi a montré l'étonnante vulnérabilité de l'Arabie Saoudite et de ses infrastructures vitales. Mathieu Ozano, c'est le cœur de la production saoudienne qui a été touché samedi. Oui, ce sont deux installations absolument vitales qui traitent le plus gros de la production saoudienne. Donc quelque part, c'est un peu l'artère carotide de l'économie mondiale. Oui. L'impact est vraiment spectaculaire. Les Saoudiens, je pense, ont été humiliés par cette attaque. C'est très surprenant que cette attaque ait pu être aussi facilement perpétrée. Je rajoute juste que c'est d'autant plus important qu'on a même du mal à comprendre quelle est l'importance de l'Arabie Saoudite sur le marché pétrolier. Il y a plus de pays qu'il y a autant. Il y a trois pays qui produisent 10 millions de barils par jour, mais l'Arabie Saoudite est ce pays qui permet de variable d'ajustement. C'est le seul pays au monde à pouvoir mettre du jour au lendemain ce qu'on appelle des réserves de production, c'est-à-dire à pouvoir tourner un robinet et mettre sur le marché 2,5 millions de barils par jour. Et c'est cette fragilité-là qui a paniqué d'une certaine manière le marché mondial du pétrole. Mais c'est à cause de ces réserves que les Saoudiens ne devraient pas cesser d'approvisionner leurs clients, a priori, Mathieu Ozano. Alors, depuis les chocs des années 70, tous les grands pays consommateurs de pétrole et tous les grands producteurs disposent de ce qu'on appelle des réserves stratégiques, donc enterrées ou protégées par les militaires en France, aux États-Unis, en Chine, en Arabie Saoudite. Il y a de quoi alimenter la production pendant des semaines. Donc, si l'impact de ces attaque techniquement est réparable dans les jours ou dans les semaines qui viennent, normalement on ne devrait pas avoir un choc. La grande inconnue aujourd'hui, c'est la réaction des Saoudiens. Bien sûr. Qui serait susceptible de remettre de l'huile sur le feu parce que c'est une humiliation en fait. D'après une agence spécialisée, 3 millions de barils saoudiens par jour devraient rester indisponibles pendant un mois, soit environ la moitié de la production. Mais vous avez dit, il y a des réserves. Donc, a priori, pas de pénurie à craindre. À condition qu'il n'y ait pas de nouvelle attaque, je rappelle qu'il a suffi d'une dizaine de drones et peut-être d'un missile de croisière, c'est ce que disent les Américains, pour aboutir à ce résultat. Anthony Bélanger, comment expliquer qu'un pays dont les dépenses en armement atteignent 60 milliards de dollars par an soit incapable de protéger ce qu'il a de plus précieux? Tous ceux qui dans la région connaissent un peu l'armée saoudienne savent qu'en fait c'est une armée qui est presque inutile. Grosso modo, je vous explique une chose très simple. En 2015, MBS, le nouveau prince héritier, décide d'intervenir au Yémen. Ça fait 5 ans qu'il mène une guerre contre des pétoirs, j'allais presque dire, c'est-à-dire contre des rebelles houthis qui ont été dans un second temps armés par l'Iran, enfin qui grosso modo au début avaient de vieilles Kalachnikov et des 4x4 pour se battre. Ils se sont bien rattrapés depuis, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 4 ans, 5 ans que l'Arabie Saoudite, y compris son allié le plus sûr, les Émirats Arabes Unis, sont empêtrés dans cette guerre en étant incapables d'en sortir, en ayant fait des dizaines de milliers de morts par ailleurs. Donc je veux dire qu'on s'est tous rendu compte que d'une part l'Arabie Saoudite n'avait pas l'armée qu'elle prétendait avoir, elle achète beaucoup d'armes. Vous avez raison, c'est le deuxième acheteur d'armes au monde, avec 10% des commandes mondiales d'armement qui vont directement en Arabie Saoudite et qui servent tout de suite. Mais par ailleurs, c'est une armée qui est, comment dire,
qui n'a ni l'expérience du combat, ni la qui n'est ni aguerri pour ça, et qui en plus, on s'est rendu compte en plus que l'Arabie Saoudite protégeait mal, y compris ses sites stratégiques. Non seulement elle les a situés dans un seul endroit, il ne les a pas dispersés, mais en plus ils sont visiblement pas protégés contre des drones bricolés quelque part en Iran, contre des missiles dont on sait très bien que malgré tout c'est quand même pas le dernier cri des missiles de croisière qui a pu s'abattre là, contre éventuellement des armes manipulées par des milices chiites. Même si les spécialistes expliquent que c'est très difficile de se prémunir contre les drones et que seule sans doute l'armée américaine est capable de le faire, Mathieu Zanon. Oui, d'ailleurs, l'attitude américaine est intéressante. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne se dirige pas tout de suite, mais les choses peuvent changer, parce que la situation est très instable. On ne se dirige pas tout de suite vers un choc pétrolier, parce que ce matin, le président Trump a eu un discours plutôt lénifiant, plutôt d'apaisement. Et on s'aperçoit que peut-être il y a un pari qui a été joué. Si effectivement les Iraniens sont derrière cette attaque, il y a peut-être un coup d'échec tout à fait subtil qui a été joué par les Iraniens. On est à une semaine de la conférence annuelle des Nations Unies. On comprend que le président Trump, malgré ses rodomontades, n'a pas envie d'une guerre. Il n'a surtout pas envie d'une flambée des cours du baril à un an des élections, à un an du début de la campagne aux États-Unis. Donc on devine. C'est qu'il ne ripostera pas. En tout cas, les Saoudiens ne peuvent pas faire grand-chose sans les Américains. Et pour l'instant, les Américains ont l'air de vouloir lever le pied sur des réactions qui pourraient être tout à fait impossibles de la part des Saoudiens. Vous avez formulé la réponse avant que je pose la question. Mais on va d'abord entendre Donald Trump dans sa déclaration, embrouillée, où il dit à la fois tout et son contraire sur la possibilité d'une attaque. Je vais vous dire que c'était une très grande attaque. And it could be met with an attack many, many times larger very easily by our country. But we're going to find out who definitively did it first. I don't want war with anybody. I'm somebody that would like not to have war. We have the strongest military in the world. The United States is more prepared than any country in the history in any history. If we have to go that way. Parce qu'il y a plusieurs histoires. Voilà, donc j'ai les moyens de faire une grosse attaque, mais je n'ai pas envie de faire la guerre. On rappelle qu'en juin, Trump avait renoncé 10 minutes avant la frappe contre l'Iran. On se souvient de cette histoire incroyable. Les Iraniens le savent. Qui veut faire la guerre contre un pays de 80 millions d'habitants ? Qui veut faire la guerre contre un pays de 80 millions d'habitants qui a une armée aguerrie, qui encore une fois a combattu aussi bien en Syrie, dans l'horreur, hein, parce qu'ils ont quand même soutenu un régime qui a fait 500 000 morts, hein, mais qui a combattu en Syrie, qui a combattu en Irak contre l'État islamique et qui a des milices chiites aussi bien au Yémen que tout simplement dans la région pétrolière où il y a une communauté chiite extrêmement importante, par exemple, région pétrolière saoudienne, en Irak, au Liban, face à Israël. Donc qui veut faire la guerre contre un pays ? C'est l'embrasement général. Donc personne ne veut faire la guerre, certainement pas Donald Trump. Les Iraniens le savent et sont en train de faire la démonstration par l'absurde, j'allais dire, que de l'incapacité de l'Arabie Saoudite à aller jusqu'au bout de ses ambitions. Mathieu Zanon, c'est parce que les marchés n'y croient pas, cette riposte américaine, que les cours du pétrole ont reflué aujourd'hui ? Pour beaucoup à cause de la déclaration de Trump, je pense, ce matin. Si Trump avait eu un discours de va-t-en-guerre, je pense que le baril aurait à nouveau continué à s'afflamber. Mais effectivement, alors on spécule là, mais il est intéressant de regarder la maîtrise, l'intelligence un peu vertigineuse, machiavélique du jeu iranien. Mais on devine quand même qu'il y a un gambit, comme on dit aux échecs. Il y a un coup là qui est intéressant, qui a probablement été joué par Téhéran. Je vais essayer de vous le résumer très simplement. Ouais. Les Téhéran a tout fait. En 2015, ils ont essayé de signer avec les Occidentaux un traité sur le nucléaire pour que les sanctions soient retirées. En 2017, les États-Unis les ont envoyés prêts et ont renforcé les sanctions. Depuis, ils ont fait de la riposte graduée. Donc ils ont essayé de la diplomatie, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères au G7 le mois dernier à Biarritz, ça n'a pas marché. Donc ils essayent aujourd'hui quelque chose de plus grave pour montrer d'une part que l'Arabie Saoudite, si jamais les prix du pétrole avaient augmenté, il n'est pas question que l'Arabie Saoudite en profite, qu'ils ne souffriront pas, ni seuls, ni en silence, et ils veulent revenir à la table de négociation. C'est la pression militaire. Sur les risques de flambée et de crise pétrolière, voyez ce que disait ce matin le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari. Je rappelle qu'on est au niveau du prix du pétrole de mai dernier et qu'en l'état, nous ne sommes pas dans une crise telle que nous l'avons connue en 2008 avec des prix qui touchaient ou qui avoisinaient les $150. Il n'y a pas de risque. Nous sommes vigilants, mais si la situation géopolitique, on va dire, s'amortit un tout petit peu, il n'y aura pas de crise telle que celle que nous avons pu connaître. Jean-Baptiste. Vous hochez la tête, Mathieu Zanon. Moi, je me méfie du pouvoir de nuisance et de la réaction des Saoudiens.
Al-Qaïda est né des réseaux de renseignement et d'opérations noires saoudiennes. On a vu ce qu'ils ont été capables de faire avec un opposant il y a quelques mois. On est quand même dans une région qui est chauffée à blanc depuis plus d'une génération. C'est quand même un pas en avant. Je reviens à des considérations plus prosaïques. On est très loin des $150 de 2008 et de la crise de 2008. Mon point, c'est simplement de dire, effectivement, aujourd'hui, les marchés sont plutôt rassurés, en particulier, j'insiste, par la réaction du président Trump. Mais il peut se passer beaucoup de choses encore. Écoutez, vous avez deux boulies dans la région. Deux boulies, c'est-à-dire deux voyous. Vous avez Trump d'un côté qui a menacé, mais qui finalement, dont on se rend compte qu'il se dégonfle à la fin. Et c'est pas plus mal pour la paix mondiale. Hein. Ça veut dire que c'est un homme qui ne veut pas faire la guerre. Mais vous avez MBS, donc Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est capable un peu de tout et de n'importe quoi. C'est un homme, encore une fois, qui a déclenché une guerre tout seul au Yémen et qui fait des dizaines de milliers de morts, qui est en train de faire le blocus d'un pays voisin, le Qatar, pour des raisons parfaitement baroque et en tout cas parfaitement illégal, qui est intervenu aussi en Syrie comme l'Iran d'ailleurs pour appuyer des milices plutôt qu'ailleurs. C'est un homme qui est capable, qui a été lâché par son principal allié et qui a été capable. Ils sont acculés quand même les Saoudiens aujourd'hui, humiliés et acculés. Qui a été quand même capable de découper à la scie sauteuse un opposant. Vous parliez donc du journaliste Khashoggi dans un cul de basse fosse du consulat d'Istanbul. Cet homme-là est peut-être capable de tout plus qu'on l'imagine. Donc c'est peut-être la seule variable, un peu le seul. La seule incertitude qu'on ne maîtrise pas, c'est le côté satrape oriental de Mohamed Ben Salman. Mais encore une fois, ils ne peuvent pas faire grand-chose sans les Américains. C'est vrai. Pierre. Sur le plan français, Marine Le Pen fait également du billard à trois bandes, puisqu'au-delà même des cours du pétrole, vous allez voir, et de leur impact sur les prix à la pompe, Marine Le Pen, ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, a expliqué pourquoi, selon elle, il serait simple et juste de supprimer la TVA sur l'essence. Les Français doivent savoir que par un mécanisme absolument fou, délirant, on paye de la TVA sur des taxes. Et par conséquent, ceci évidemment augmente la note de manière spectaculaire. Donc il faut évidemment supprimer la TVA sur les taxes, ce qui permettra une baisse substantielle du prix à la pompe. C'est réaliste, Mathieu ? Alors, les taxes sur le... Alors, d'abord, c'est vrai que c'est un produit très taxé. Alors, c'est 35 milliards par an. Les recettes des taxations sur l'essence, c'est la quatrième recette de l'État. Donc, c'est extrêmement important. Il faut comprendre que Bercy surveille évidemment le sujet comme le lait sur le feu et pose beaucoup de questions aux pétroliers français, aux raffineurs. On se rappelle que la crise des gilets jaunes est née de ça. Est née de la taxe. Le problème, c'est qu'on est on est endetté et que c'est l'une des principales ressources. Par ailleurs, c'est un peu compliqué de satisfaire Madame Le Pen. Il y a un truc tout simple à comprendre, c'est que ces taxes sur le carburant servent aussi d'amortisseur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, où il n'y a quasiment pas de taxes sur le pétrole, dès que vous avez une augmentation du prix du pétrole, ça se répercute immédiatement à la pompe et ça peut être extrêmement sauvage. Alors qu'avec les taxes en fait en pourcentage en France, vous pouvez les adapter au fur et à mesure et moduler le prix à la pompe. En fait, le brut c'est un tiers c'est grosso modo un tiers. Un mot quand même. La production de pétrole mondial, elle va décliner ou elle a déjà commencé, Mathieu Zano. Et il faut s'attendre à long terme à avoir du pétrole beaucoup plus cher qu'à $60 le baril. La première chose qu'il faut dire, c'est que d'évidence, une ressource finie, puisqu'on vit sur une sphère, une ressource finie, tôt ou tard, s'épuise. Il y a de grandes incertitudes sur. On en est où là? On est plus 100 millions de barils par jour. C'est une grande montagne et on est sur les contreforts de la montagne. D'accord. Et à un moment donné, il faudra redescendre au cours de ce siècle. Très vraisemblablement avant la mi-temps de ce siècle, avant 2050. Avant 2050. Et je fais partie des gens qui sont plutôt pessimistes et qui voient ça advenir. Et je ne suis pas le seul, puisqu'aujourd'hui, l'agence. Il faudra apprendre à vivre sans pétrole, non. Pas assez de pétrole pour tout le monde. D'accord. Voilà. Et il se trouve qu'en Europe, on n'en a pas du pétrole. Et on a. La seule source de pétrole qu'on a, la mer du Nord, est un cas d'école d'un déclin géologique, écologique, absolument irréversible. Parce que plus vite vous videz un verre d'eau, plus vite il est vide. Et donc, ça serait une politique salubre de la part de la France, qui n'a pas de pétrole et qui
peu du mal à trouver des idées ces derniers temps, d'anticiper et quelque chose qui est absolument inexorable. Il n'y a pas qu'à cause du climat qu'il faut sortir du pétrole. Merci beaucoup à tous les deux, Anthony Bélanger qu'on écoute sur France Inter et Mathieu Ozano.